Coup de projecteur sur le cinéma actuel avec la présentation du film Les 7 jours de Ronit et Shlomi Elkabetz. Ils étaient nombreux à l'espace Daniel Sorano pour assister à la projection en présence des auteurs-réalisateurs israéliens. C'est une rencontre autour d'une grande famille marocaine et qui se réunit pour faire le deuil d'un frère qui meurt et qui s'assoit 7 jours et 7 nuits ensemble, selon la tradition hébraïque, judaïsme marocain en Israël. Frères et sœurs dans la vie, ils signent ici leur deuxième collaboration ensemble. On a vécu 2 ans avant le tournage pour écrire et répéter ensemble. Quand on répète, elle joue le rôle de la femme et moi de l'homme, et vice-versa. Then we work with the camera at home. You know, our subject, what we deal with, is family. Notre thème favori, c'est la famille et tout ce qui tourne autour, notamment la famille dans l'histoire. Notre relation ne se cantonne pas qu'au plateau, elle existe bien au-delà. Deuxième volet s'inscrivant dans une trilogie, le troisième film est en phase d'écriture et sortira sur nos écrans prochainement.